Bonjour, un million, c'est Murgen. Alors, je vous retrouve ce mois-ci pour le tirage des énergies du mois d'août. Donc, je vais m'aider de l'oracle Ad Vitam Aeternam et de l'oracle des haïkus de Sylvie Lavoie pour faire ce tirage. Donc, je vais tirer une carte de chaque paquet et on va voir un petit peu ce que ça nous dit par rapport aux énergies de ce mois-ci. Donc, oula, ça va faire un clac-clac. Désolée, si il y en a qui écoutent avec un casque, ça risque de l'avoir fait fort dans vos oreilles. Je suis désolée. Ces cartes glissent beaucoup, beaucoup. Donc, on a l'oracle, la carte du chakra du cœur, Anahata. C'est bien, c'est vert. Je vous montre parce qu'avec la lumière, on ne voit pas forcément très très bien. Celui-là est plus petit, je tiendrai mieux comme ça. Alors. Et le temps de récolter, oh, on a des jolies cartes pour le mois d'août pour vous à million. En même temps, le mois d'août, c'est un petit peu votre mois à vous, les lions. Donc, le chakra du cœur, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est vous avez ce mois-ci des énergies d'amour qui sont avec vous, qui se présentent à vous. Vous aimez, vous aimez les choses, tout va bien. En fait, vous apercevez que vous avez beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup d'amour à donner. C'est l'amour universel, hein, le chakra du cœur. C'est ce qui vous ouvre aux autres aussi. Donc, vous allez vous ouvrir aux autres, être plus empathique. Peut-être vous allez avoir des bonnes relations avec d'autres personnes, de bonnes communications. Et on vous dit qu'il est temps de récolter. Donc, c'est le temps d'apprécier. C'est le temps d'apprécier tout ce que vous allez recevoir ce mois-ci, les lions. Tout ce que vous allez recevoir d'amour et ce que vous allez pouvoir donner. Et ça va vous rendre heureux. Donc, vous avez un très bon mois pour vous. Profitez bien, justement. Peut-être c'est des relations avec vos proches. Peut-être c'est parce que aussi vous allez partir en vacances et avoir un certain lâcher-prise. Ce mois-ci et du coup vous appréciez plus le temps que vous passez avec les personnes que vous aimez et les choses. Vous avez aussi peut-être le temps de faire les choses que vous aimez, etc. Donc il est temps de récolter, d'apprécier et d'apprécier vraiment ces instants-là qui seront présents pour vous ce mois-ci à million. Donc je souhaite à tous les lions qui vont fêter leur anniversaire ce mois-ci un excellent anniversaire et je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous retrouve au plus tard pour le tirage des énergies du mois de septembre. Bye bye.